trésors de tradition ancienne. C'est-à-dire que les auteurs de ces chroniques ont moins transformé la matière que Rabelais. Et c'est avec les chroniques que je trouve des parentés, des ressemblances avec des mythes situés tout à fait ailleurs. Bon, bon voilà. Autrement dit, je poursuis tout à fait le travail de Bruno Tanville. Il avait raison sur le fond. Même, encore une fois, sinon, ce qu'il a écrit en 1947 peut être parfois critiquable. Antérieurement encore, donc au Moyen-Âge, on a les deux livres sur les usines parus aux alentours de 1400, l'un en prose, l'un en vers. Ces deux livres donc nous donnent la légende de 1000 usines. Cette légende de 1000 usines, je ne vais pas la raconter ici, je vais dire tout simplement qu'elle a donné son nom à un type de mariage, c'est le mariage à condition. Hein? On se marie, mais, dit la dame, s'il se passe telle chose, je disparais. Dandonville l'a repéré comme un thème mythologique, pour lui un des grands thèmes mythologiques français, et il avait tout à fait raison, puisque ce thème mythologique du mariage à condition, qu'on a d'ailleurs appelé, qu'on appelle le mariage mille-signes, ce thème du mariage à condition se trouve dans l'Antiquité, aussi bien en Grèce qu'en Inde, et dans la période où on recueille les choses plus récemment, on le trouve dans tout l'hémisphère nord, on le trouve en Amérique amérindienne, hein, on le trouve un peu partout, et on le trouve dans certaines versions en Afrique. Voilà. Donc, il a des raisons de pointer l'originalité de ce motif dans la tradition française, et de la qualité de mythologique, et pas seulement littéraire. Voilà. Je regarde si j'ai oublié des choses importantes. J'ai combien de temps ? Eh bien, écoute, on va attaquer les présentations. Il te reste encore quelques minutes, mais on va saints qui ont fait ça en France, je ne sais pas
Je n'ai pas le nombre en tête, mais je crois que c'est plusieurs dizaines. Hein? Le plus célèbre étant Saint-Denis, mais Saint-Denis n'est pas du tout le seul. Donc beaucoup de saints ont, ont porté leur tête. Généralement, ils ont franchi les rivières et ils l'ont posé au-delà. Bien, donc nous avons là, dans la géographie, dans les filles de saints, nous avons des motifs mythologiques. Mais l'avantage des saints, un des avantages des saints, c'est qu'ils ont généralement une date calendaire. Tel saint, c'était à telle date. Et là, d'un seul coup, surgissent les problèmes du calendrier. Je disais que c'était un peu... dans les, si notre ville avait vu beaucoup de choses, il mentionne le calendrier. Il mentionne. Enfin, il n'a pas traité la question du calendrier a été traitée après par d'autres auteurs de la SMF, pour ceux qui l'ont connu, hein, je pense à Jean-Paul Lelu, qui est très âgé actuellement, qui ne participe plus à nos congrès ou saisons de formation, mais qui a été un des premiers à poser les problèmes en termes de date calendaire. Il y a pas de problème de la géographie. Hein. Les dites saints hein, fournissent une date et de multiples travaux hein, ont montré que ces dates ne sont pas dues au hasard. En particulier, je rappelle, je fais allusion à mes propres travaux, que ces dates de saints, en particulier ceux qui tuent des dragons, se répartissent par le plus grand des hasards sur les quatre grandes fêtes que nous connaissons comme dates celtiques en Irlande. Donc sur le territoire français, les dates où on tue des dragons correspondent à ces quatre dates fournies par l'Irlande. Ce qui est intéressant. Hein? Mon prédécesseur comme président, c'était donc Henri Fromage. Henri Fromage est le premier, donc là encore, quand on dit qu'il n'avait pas pensé à ça, Henri Fromage est le premier à avoir pensé que le matériel français était d'origine celtique. Et comment connaître le matériel celtique? Il y a une seule solution, puisque les anciens n'ont pas écrit là-dessus. On n'a presque pas de mythes celtiques antiques. La seule solution, c'est d'aller voir là où ils ont été écrits, c'est-à-dire au Pays de Galles et en Irlande, mais du Moyen Âge. Bon, Henri Fromage a donc comparé des choses de l'Irlande, de la littérature irlandaise, avec des choses du folklore français. Hein? Quand je suis arrivé à l'SMF, une des conférences d'Henri Fromage qui m'a tout de suite séduite, hein. Fromage commence son intervention en disant « Je vais vous raconter une histoire en trois versions. La première version, c'est un conte populaire. La seconde version, c'est une épopée médiévale. La troisième version, c'est un texte mythologique irlandais. » Irlandais, hein. D'accord. Donc Fromage avait vu cette origine celtique du matériel français. Alors nous dirons maintenant, les choses évoluent, que le matériel celtique est tout à fait réel, mais il n'est pas le seul. On trouve en France des choses postérieures aux Celtes, donc je parlais de Mercure, c'est romain, c'est postérieur aux Celtes. Il y a du matériel germanique, donc postérieur aussi. Hein. Et puis il y a du matériel antérieur aux Celtes. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais il y en a, et on peut l'identifier. Je pense, enfin, sans développer ce point, je pense justement que tout le groupe de légendes autour de Garde-Rotbas est pré-celtique. Hein, c'est même pré-indo-européen. Voilà, normalement, en fait, quelques millénaires. Voilà, je crois que j'ai dit que l'essentiel, c'est que je pouvais dire aujourd'hui ce que fait la mythologie. C'est une mythologie française. Ah, je veux dire un petit mot de l'astronomie. Sur l'astronomie. Tu veux dire un petit mot? Oui, oui, absolument, il y a quelques minutes en plus, parce que je ne crois pas sur la suite. Bon, très vite. Deux choses sur l'astronomie, puisqu'on va en parler. Puisqu'on a la session de formation est sur l'astronomie. Deux remarques. La première remarque, c'est une remarque disons positive. La seconde, ça va être une remarque très critique. La remarque positive, je rappelle la position de Lévi Strauss, que j'approuve, évidemment, sinon je n'en parlerai pas. Lévi Strauss dit les hommes observent le ciel, ils observent les animaux, ils observent les plantes, ils observent les montagnes et les rivières. Chacun de ces registres fournit à l'esprit
animal, le cône végétal, cône astronomique, cône minéral. Bon, l'avantage de mettre ça dans cette perspective-là, c'est d'éviter une idée qui circule, comme quoi, en gros, l'astronomie serait la vérité des mythes. Alors, je dis absolument pas, jamais, l'astronomie peut illustrer les mythes, peut être un décodage, aussi bien que les animaux et les plantes et tout ça. Hein, on peut utiliser l'astronomie, et certains, je pense aux Grecs, aux Indiens, ne s'en sont pas privés, de mettre des constellations, de nommer les constellations. Hein. Voilà. Donc, s'il y a une vérité de la mythologie, elle n'est pas dans les étoiles, elle n'est pas dans les animaux, elle n'est pas dans les plantes, elle n'est pas dans le monde minéral, elle est dans la société. Ce sont des problèmes sociaux, lointainement, très indirectement, qui sont codés par ces différents codes. Voilà. La deuxième remarque que je veux faire, c'est pour mettre en garde. Il y a 12 ans à peu près, je reçois un tapuscrit d'un auteur, je ne dirai pas son nom, ce serait méchant. L'auteur tient le raisonnement suivant. Il y a 4500 ans, le pôle Nord n'était pas en direction de l'étoile polaire, mais en direction d'une des étoiles de la tête du dragon. Et il dit donc, pour voir comment était le ciel il y a 4500 ans, je me mets au sommet de l'hémisphère nord et je regarde l'hémisphère nord à partir de la tête du dragon. Et là, j'ai l'image du ciel il y a 4500 ans. Bon, donc j'ai mis le bouquin à la poubelle en quelque sorte, hein, et dégagé, je le trouverais complètement absurde. Je vous dis pourquoi était-ce complètement absurde. Il faut pas répondre. Oh, cool. Vous avez la précession? Précession? Non. Ça ne serait pas absurde, ça serait une petite faiblesse. Mais le raisonnement était absurde. Pourquoi? Il inversait la logique, donc logiquement décodé, enfin quand c'est pas décodé, on projette sur le ciel des représentations humaines, et là tout d'un coup il disait donc c'est le ciel qui nous... Non, ça c'est une question de point de vue. Il était de cet avis-là, c'est vrai. Mais bon, c'est pas absurde, c'est une idée. Je dis c'est absurde. Bon, tout simplement parce que le ciel, il y a 4500 ans, n'était pas notre ciel au point de vue de la nomination. Le ciel que nous avons, c'est le ciel grec, qui s'est élaboré durant le premier millénaire avant notre ère. D'accord ? Quand nous disons la grande ours, c'est parce que les Grecs appelaient ça la grande ours. Quand nous disons Cassiopée, parce que Cassiopée est une reine dans la mythologie grecque. Notre ciel est grec. Oui. Or, quiconque a fait un tout petit peu, soit d'histoire ancienne, soit d'ethnologie, sait que chaque culture a son propre ciel. Le ciel égyptien, ancien, le ciel mésopotamien, ancien, n'était pas le même ciel que les Grecs. Si on fait de l'ethnologie, on va en Amérique du Sud, ou ailleurs, en tout cas, on voit des constellations qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas découpées de la même façon. Donc, notre ciel que nous utilisons, que nous nommons, quand à l'hémisphère nord, bien entendu, et quant aux constellations, parce que les étoiles, elles, ont des noms plutôt arabes, hein, bon, les constellations que nous utilisons, ce sont les constellations d'époque grecque. Et ces constellations d'époque grecque se sont forgées au long du premier millénaire avant notre ère. Enfin, certaines sont d'origine indo-européenne, comme Orion, comme Cassiopée. Certaines sont d'origine babylonienne, hein, je n'ai pas d'exemple, enfin, je crois que les géos, par exemple, c'est plutôt une idée babylonienne, enfin bon, on peut discuter. Et puis certaines sont pré-indo-européennes, puisque les ours, les deux ours du nord de l'hémisphère,
on les retrouve en Amérique du Nord, dans des mythologies d'Amérique du Nord. D'accord ? Voilà. Donc ce calendrier grec, il s'est construit, il s'est édifié. Donc il y a 4500 ans, ce n'était pas vrai qu'en regardant même, en regardant une étoile de la tête du dragon, d'abord on ne voyait pas de tête du dragon. Hein ? On ne voyait pas notre hémisphère nord. Et donc, et ça c'est extrêmement important. J'en avais pas. Fabien Régnier, qui est un monsieur que des gens ici connaissent, avait reçu le même livre. Il l'avait, lui, trouvé très bien. Donc nous en parlons. Et je lui ai dit pourquoi je le trouve absurde. Bon, et après, il me dit, mais dis donc, s'il a tort, le gars en question, Crota, il a tort. Une dame qui travaille sur les constellations dans le monde celtique. Cernuti. D'accord, etc., etc. Ben, je dis, bah oui. Ben oui. Madame Cernuti, si elle nous dit, on voit, si elle dit, on voit telle chose, ça va, c'est une étoile. Mais si elle dit, on voit la constellation d'Orion, chez les Celtes, on n'a pas la moindre preuve que les Celtes avaient une constellation d'Orion. Ok. C'est une question d'appellation, mais de forme. Les agencements d'étoiles, on peut rêver ce qu'on veut, d'ailleurs l'aventure c'est aussi le chariot. Mais je vais dire, s'il parle d'une partie de la tête du dragon en disant c'est cette étoile qu'on voit, ces trois étoiles, qu'on appelle le dragon, qu'on l'appelle. Non mais si c'était que les noms, ce serait pas grave. Oui. Mais c'est la forme des constellations qui n'est pas la même. La forme dépend de l'agencement des étoiles qu'on voit. Il y a des constellations extrêmement visibles, extrêmement claires. La grande ours, Cassiopée, même en région. C'est extrêmement visible. Mais dans le reste du ciel, non. On classe absolument comme on veut. On choisit des étoiles de référence. Je pourrais montrer ici des constellations venues d'autres civilisations. Vous verrez que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Bon, voilà. Merci en tout cas, Bernard, pour cette introduction. Vous avez tous un programme, si vous n'avez pas, donc il est disponible. J'avais prévu de vous détailler un petit peu le programme, et on va gagner un petit peu de temps. Donc, vous avez juste ici la galerie François 1er au Muséum cet après-midi. Pour les détails pratiques, on y reviendra au moment des pauses. Et pour la matinée, nous allons accueillir